Une banlieue du sud du Caire raconte sa propre histoire quant aux relations entre l'Égypte et la Chine. Ahmed Saïd est connu comme le Chinatown du Caire et avec une population chinoise croissante, nombre de Chinois créent des liens forts avec les habitants locaux. Tout de suite, plus de détails. Madaoude est bien loin de sa province natale du Gansu, dans le nord-ouest de la Chine. Mais le Caire semble lui aller comme un gant. Cet étudiant de 21 ans est le fier propriétaire d'un restaurant dans Ahmed Saïd. Il est surnommé le restaurant chinois musulman et parvient à servir nombre de clients au quotidien. Chaque nuit, des groupes de Chinois et d'Égyptiens viennent savourer les saveurs de l'Orient. Et les nouilles fraîchement préparées font partie de leurs mets favoris. Et chaque année, il y a de plus en plus de Chinois qui arrivent au Caire. Et avec cela, davantage de magasins chinois, restaurants et autres cafés ouvrent également, comme celui-ci, Jishangjie. Il y a là un grand respect pour la culture du pays, comme on le voit avec cette assiette. La viande est halal, mais les goûts sont d'authentiques saveurs chinoises. Daoude est populaire auprès de ses clients et est considéré comme un ambassadeur de la culture et de la nourriture chinoise. Il a apporté quelque chose d'unique dans cette partie du Caire. Au début, c'était étrange de voir un restaurant chinois ici au Caire. Je suis venu une fois et j'ai trouvé que le goût était très bon. J'en ai parlé à mes amis. Et désormais, je viens souvent manger ici. Les gens y sont très agréables. Je ne connaissais personne avant. Et maintenant, je peux dire que je connais tout le monde. Et le bouche à oreille a bien fonctionné. Le restaurant est même populaire dans les médias sociaux. Nous avons vu un message sur Internet, un avis sur ce restaurant. Et les gens disaient que c'était super, délicieux. Donc nous sommes venus. Daoud estime que la visite du président Xi sera une excellente chose pour les deux pays. Je suis très content que le président chinois nous rende visite en Égypte. C'est une bonne opportunité pour promouvoir les relations entre les deux pays. La Chine apportera davantage d'opportunités nécessaires au développement de l'Égypte. Et dans le même temps, l'Égypte véhiculera également des opportunités vers la Chine pour contribuer au développement des deux nations. Pour Daoud et son équipe, le travail est souvent difficile et les heures longues. Mais tous travaillent avec fierté, celle d'offrir un goût de Chine dans chaque assiette, mais aussi de rapprocher davantage Égyptiens et Chinois par le biais de la gastronomie.